صباح الخير يمسلي لنا راديو تيسنات الزول. صباح الخير في اللوان ثكل تكينيا أقلاغ دي ثليث ننبذو ثليث أسان استعفو أدنا هذر أسان كينيا في ثمريث ثيني عنا مرة يعني شدن التوريزم السكيان عرضد مس أرزقي الطهر سنينيا. صباح الخير في لك الزول في لك مس أرزقي الطهر. صباح الخير أزول في اللوان مس ارزقي طاهر كنت يقلك بي دي جي ان لونات كسكل فنكا سحري الشكيني ان التوريزم دي ثمور ثناغ ماتشي يعني خون وير ماتشي سون اجونس يعني تزنو زين كان ليبيين يعني خدمن كحري الشكي ان ثلامسا باش تدرب حمي داري من لا معنى الخدمة نون دا كان تسفتي محري الشكي ان توريزم محري الشكي ان تمريث مرة دي ثمور ثل الجزائر. نعم غور خمس لاي L'ONAT, qui est un tour opérateur, bon, nous agissons en tant qu'agence de voyage, bien sûr, nous faisons beaucoup de programmes touristiques, mais la principale activité, c'est la promotion du tourisme national. Donc on fait beaucoup de programmes touristiques à l'échelle nationale et on intègre toutes les régions du pays. كونوا يعني لونات تقديم يعني ماشي تجديد مقرط يعني 90 يعني لي زاجونس نون دي 35 لي زاجونس يستعم دي مورثنا. نعم لونات 35 اجونس ريبارتي اترافير تيريتوار ناسيونال نسعى ختان 4 ديريكسيون ريجيونال دونك باسكو شاك ريجيون جير ان سيرتان نومبر داجونس Et nous avons un parc pour le transport touristique qui dépasse les 100 véhicules, tous véhicules confondus entre bus, autobus, grand bus, etc., véhicules 4x4. Yani, nous avons les moyens pour faire du tourisme dans les meilleures conditions possibles. Mais Tahar Arzqi, le tourisme, ذاك الروج ينسى هذه ثمورتنا التوريزم يعني يكون وين يعني الكلفه نون تور اوبيراتور يعني شو المعنى تور اوبيراتور ماشي لوكلا تور اوبيراتور سي ان فابريكون دو فواياج سيتادير حنا كوني الى وزافي ان سيركوي توريستيك كومون كي لي كونستيتيو لي كونستيتيو بار لي سيت توريستيك ا فيزيتي نوتر سيركوي توريستيك فير toutes les visites touristiques et mettre les moyens de transport et de restauration nécessaires pour la prise en charge des clients dans les meilleures conditions. Donc le tour opérateur, c'est un fabricant de voyages dans un premier cadre et c'est un distributeur de voyages aussi parce que les produits là, ils ne sont pas uniquement distribués au niveau des agences de l'ONAT, c'est-à-dire même une agence privée peut commercialiser notre produit. Elle fait une convention avec une agence de l'ONAT, qu'elle soit à l'Est, à l'Ouest, au centre, pour vendre les mêmes produits qui sont vendus par l'ONAT. Donc nous avons un rôle de distributeur aussi. ما إلو مكاد نهضر ما سأرزقي طهر كتشيق لك بي دي جين لونات يعني ثانقلا قدي شوية ثالي تكي لبريود استيفال دا شو يدسوج دم يعني لبريود كينيا يديريا ثان فغان نوثني دا غانا دروح ناس سعدين وسان وستعفو دي ثمور ثنا مازالو السينار مليح مكوان ثمور ثنا باش تحاو سنة لبريود استيفال نسقو ساكي سي براتيكمون بور نو سي اون فات باسكو صافي كومان دو زون كون با ترافايي كو لي زاجيريان نو با بي بينيفيسي دو فواياج à cause du Covid, à cause des conditions sanitaires qui étaient imposées. Donc l'ONAT, on a fait plusieurs programmes qui sont proposés au niveau des agences. Nous avons plus de 15 programmes à l'échelle nationale et qui s'articulent beaucoup plus sur la côte. C'est beaucoup plus la saison estivale, c'est à l'est, à l'ouest, au centre. Nous avons aussi des séjours en montagne. Et dans les stations thermales, les hammams madaniyah qui sont très prisées par les personnes d'un certain âge, par les familles, etc. Donc quand on s'adresse au niveau d'une des agences ONAT, je pense que les clients seront satisfaits, que ce soit en matière de prix, en matière de prestations, en matière de programmes qui sont proposés. وكي يعني ضد حري الشاكينيا نحوس يعني تخدم تاس نتمسلكيا يعني نحوس دير شطوط البحر دير 14 ولايه نتمورتيك عن شطوط البحر وذا غند كدور هار ذا غند الغوابيا ثم سالت نظن يكتفن البلد عن تمورتنا والسيعات مقرط الصحراء يعني شحال يبغان تروحوا للصحراء يعني تورا ماشي الوقت يعني الصحراء ماشي كنبدو لا معنى 90 لي بروغرام ذا غند هي لا ثكا ثم ناضينا كيا ام جان Sahara, pour nous, c'est un peu l'avenir touristique du pays. Donc, Sahara, il y a beaucoup de sites touristiques à visiter, il y a beaucoup de régions qui sont très intéressantes. L'ONAT a fait beaucoup d'investissements de Sahara. Nous avons même des résidences de l'ONAT. Nous avons une résidence qui a été inaugurée à Tarit.
qui est une ville merveilleuse, qui est très demandée par les Algériens de façon générale. Nous avons une résidence à Bni Abbas Igli, et nous avons aussi une résidence à Djanet. Donc pratiquement, c'est des résidences qui ont l'avantage d'offrir des produits de qualité à un tarif très avantageux pour les jeunes. Parce que c'est pas des résidences luxueuses, sont assez quand même correctes. Et ça nous permet de faire des programmes touristiques parce qu'on utilise les moyens de transport de l'ONAT, les guides de l'ONAT, les résidences de l'ONAT pour produire un produit intégré et qui permette aux gens de passer leurs vacances dans les meilleures conditions à des tarifs très avantageux aussi. Absolument, ça nous permet de maîtriser les coûts. Ça nous permet de maîtriser les coûts, surtout dans le tourisme saharien qui est très important pour nous. Le tourisme saharien, ça commence au mois de septembre jusqu'à la fin avril. Donc vous avez 6 à 7 mois de travail. Et ça permet aux gens de travailler, aux gens de visiter aussi, de voyager et de se programmer. Vous nous avons des mois d'août, des septembre, octobre, novembre, il a toute l'année pour faire ses vacances. Et nous avons des programmes, à titre d'exemple, l'année passée, on a fait des séjours de 5 jours, 4 nuits, dans le Sahara avec le transport d'Alger, etc., qui ne dépassaient pas les 15 à 16 000 dinars. En pension complète, personne. Avec l'animation au niveau de la structure d'hébergement, avec les visites touristiques. Donc, pour vous dire un peu que c'est des produits qui sont à la portée de maximum de personnes qui peuvent visiter. Donc, 1,5 million c'est le transport d'Alger jusqu'à son retour. Tout le transport, c'est combien, 1200 km pour aller jusqu'à Béchar. Il a là-bas sur place les circuits touristiques avec un guide local. Il a les soirées touristiques folklore local. Et avec la restauration locale, etc. Et c'est un dépaysement qui est très prisé. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur pratiquement toute l'année et on était complet. Tellement c'est un produit qui a bien réussi, qui était quand même à la portée de tout le monde. Avec la nouvelle résidence à Kintarit, ça nous donne plus de capacité parce qu'avant on travaillait beaucoup plus sur Taouzdit qui offrait quand même, on avait à peu près 120 lits, donc les moyens étaient limités, on a augmenté la capacité d'hébergement. Donc ça nous permet de. Et puis nous sommes en négociation avec le Walid Al-Bayyad. Que nous remercions ici, qui va mettre à notre disposition des résidences au niveau de la wilaya d'El-Bayed. Ça nous permet d'investir un peu la région d'El-Bayed pour faire le circuit de la Savra. Donc on va voir El-Bayed, Béchar, Bni Abbas, où on est déjà présent, et ça va agrandir l'espace géographique de notre circuit touristique. يقدر شوي يعني السعيم يكون وين لي بوت يعني الخدمه نون لونات ذا من راح التوريزم يعني معناه يكون وين يكتفن البال نون اكثر يعني الجزائر اكثر ولا يعني احوس الجزائريين مورا البراني مورا البراني ابسوليمون نوتر رول برينسيبال سي لو ديفلوبمون دو توريزم ناسيونال دي فاسون جينيرال كو سوا او نيفو دو لا كوت ولا او نيفو دو سهارا Et c'est de permettre aux Algériens de visiter leur pays dans les meilleures conditions, à des tarifs avantageux, et surtout de le connaître aussi, parce qu'il faut faire de la promotion. Il y a des régions que les gens ne connaissent pas, il y a des produits, c'est-à-dire tout le monde, un pays, il est beau. Il faut mettre à la disposition des gens des moyens pour pouvoir aller les visiter. Il faut arrêter des programmes touristiques, mettre des guides pour leur faire visiter, leur faire connaître. On parle à la radio comme ça, dans la presse, etc. Et tout ça, ça permet de développer cette activité et surtout de la rapprocher de la population. Le but, c'est de les faire venir et visiter tout ça. Alhamdoulilah, on arrive quand même à le faire dans de bonnes conditions. Il n'y a pas que nous, il y a même des agences privées qui font de grands efforts, que je remercie ici. Et aussi, c'est Animachi, on n'a pas le monopole de quoi que ce soit. C'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale et c'est tout le monde qui participe à cette activité. Khounoui, M. Arzqi Tahar, qui est le PDG de l'ONAT, le Khounoui, le Sahi, le Sahi, le Sahi, le Sahi, le الجزائريين لا معنى تغن تخدم تغن يبرانين باش هذا سنة تخشمنا للجزائر تغن وي نخدم كي ديتيل يعني نخدم نو زافونسي لو بو ا تيتر ديكزومبل لو ريسيبتيف سي ان بو نوتر Notre but aussi avec le tourisme national, c'est de faire venir les étrangers ici en Algérie, de leur faire visiter le pays qui est très beau.
Nous avons plus de 60 programmes touristiques qui sont édités et diffusés par l'ONATA, qui intéresse les étrangers et qui s'articule sur beaucoup de thèmes. Nous avons le circuit de l'Algérie romaine qui fait toutes les sites archéologiques de l'Algérie. Nous avons aussi sur les traces de Saint-Augustin qui est à Naba, Socaras, là où il est né, au Saint-Augustin, et qui intéresse aussi la communauté chrétienne. Nous avons aussi un autre programme touristique sur les traces du père de Charles de Foucault qui nous emmène jusqu'à Tamanrasset, donc qui reprend tout l'itinéraire de Charles de Foucault, de son arrivée de l'ouest de l'Algérie. Et en passant par Beni Abbas et en remontant jusqu'à Tamanrasset. Et pour les Touaregs, il y a une population qui est intéressée par ça. Et nous avons aussi les circuits classiques comme le circuit de la Saoura, le circuit des Oasis, le Hogar. Nous avons des circuits qui sont dédiés aux peintures rupestres du Tassili aussi. Donc il y a plusieurs sites, il y a plusieurs circuits touristiques qui sont proposés d'une façon générale aux étrangers et qui s'articule autour de plusieurs thèmes. Dernièrement, on était présent à la foire de Moscou, donc on a pu signer avec un tour opérateur russe pour faire des circuits touristiques dans le Sahara. Ils sont très intéressés par la route. Nous avons un projet aussi un grand théo italien pour des circuits sur les sites romains qui va commencer à partir du mois d'octobre. Donc maintenant on est en phase de reprise. Pour vous dire un peu, le Covid il a fait beaucoup de massacres, donc pour reprendre, etc. Ça demande du temps, ça demande la volonté. نهضر في مسألة كيماس أرزقي طاهر البي دي جي لونات نهضر في مسألة كين الكوفيد أمي خيثنا عتسابة وسنة كي يشقوا سنة كي عدان وبعد ثلاثة أنت بدأت تغالد شويت شويت يعني الخدمة تزمر يعني تشجع ما أكثر أحريشي كي نثمر أتسلم إين في جين صبحي صغور ألجيري تيليكوم ألجيري تيليكوم يلس فسقراف أكاي هي إذا نغمس أرزقي طهر بي دي جي لونات سنينيا زول فلاكي في كل تنيت زول فلا ونمسي هي نهضر دف تمثال تكيني يعني يبراني ما تسن دارت مورثنا للجزائر يعني اما كما كان يعني نوالا باللي نوثني وشردنا راه طاس يعني باش هادو حوايج الكونفور طاس لي زوتيل لا دغادي تمو هذه المناطق كي ودانا تمورث الصحراء يعني نوثني تقارن دون حوايج راه كان لي سويت ونحوايج لي زوتيل مقارنة بغانا نسناك نشوف النرمال بغانا نسناك عيش انت معيشت يعني لا ناتور اكثر زمر يعني العقليه يعني تعوض داري الجزائريين بالك تخدم النغل بصح لي سيتونجي ما داسنا لذاك دابور يسون انتريسي با لو سهارا لو توريزم سهاريان لو توريزم سهاريان سي Les gens ils sont intéressés par être hébergés à la belle étoile, faire du trekking, marcher sur le sable, voir le soleil se lever, le coucher du soleil, etc., qui les rapproche de la nature. Donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de moyens logistiques et ça leur permet de passer d'agréables vacances en Algérie. Nous avons ce phénomène qui est en train d'être adopté par nos jeunes ces derniers temps. Des jeunes naturels, ils sont intéressés par ce type de programme touristique et on a beaucoup de demandes sur ça. Et ça nous permet aussi de leur faire visiter le pays dans de bonnes conditions et de les rapprocher de la nature. Donc pour les étrangers, c'est le tourisme, la promotion du tourisme international pour nous, on peut dire qu'on est prêt parce que ça ne demande pas beaucoup de structures d'hébergement, ça ne demande pas un haut niveau de standing. C'est vrai qu'au niveau du nord, nous avons tout ça quand ils vont descendre sur le nord, parce que forcément, c'est un étranger, il est vers le sud pour 6-7 jours, mais il termine toujours par une grande ville du nord où il va visiter les sites touristiques comme Tipaza, comme Riyad al-Fetah, etc. Donc, là, il a tout le standing qu'il veut. Et là, au niveau du Sahara, il n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Et ça nous permet aussi d'offrir de bons circuits touristiques qui sont très demandés et très prisés par les étrangers. Et le fait que nous avons fait l'économie, nous avons fait l'économie,
Absolument. Le tourisme qui il a de l'artisanat. C'est-à-dire chaque fois qu'il est un étranger, même un national, là, quand il va dans une autre région de l'Algérie, il veut toujours acquérir des curiosités régionales de l'artisanat. Et nous, dans les programmes que nous faisons, que nous proposons aux gens, on intègre toujours la chambre de l'artisanat local de la région qui est visitée. Par exemple, s'il est à Djanet, nous avons la chambre de l'artisanat à Djanet, ou la Tata Mdraset, ou la Tata Biskra, etc. Ça permet aux artisans de vendre leurs produits et ça permet aussi aux gens d'acheter des souvenirs parce que c'est très important quand vous visitez une région d'avoir des souvenirs, d'être fait qu'après j'ai été, j'ai vu, j'ai acheté ça, etc. Un objet qui est là, qui matérialise un peu votre voyage. Voilà. تنمرت مس أرزقي طهر دنسم كتير تشيق لك ذس الواي إذن مهل عليا لونات ثك ديوان كيان غلناوي دي لها نكاس مريث دي ثمور ثنغ ويخدم كان ماشي كان قو حريش نثدا مسان تدريم تلا معنا يسفتي أكثر حريش كينيا نتوريزم حريش كيان نثمريث دي ثمور ثنغ إغير داغن الشغال يتخدم داغن لستاشون تيرمال داغن لانوي دي تروحونا كان تحويسن بغانا دروحنا الزرن سعى الحمام مثلا كيني ديت مورثنا الا كان يعني المقصود اساسا الغاشي ورثنا لا سيرتين كاتيجوري دو بيرسون كي سون لي برودوي نون سي حنا كنا نخدم نو زافون دي كونفونسيون براتيكمون افيك توت لي ستاسيون تيرمال. Nous, on n'est pas spécialisé dans une région déterminée. Donc, nous avons des conventions avec tous les hôtels privés ou publics. Y compris les stations thermales. Donc c'est au client de choisir. Là où il veut partir, il n'y a pas de souci. Donc nous avons la station de Biskra, nous avons Hammam Salihin, nous avons beaucoup de stations. Il y a beaucoup de trucs et nous avons une population qui est intéressée par ce type de produit, qui est très intéressant, surtout pour les personnes adultes d'un certain âge qui voudraient du repos, qui voudraient barquer de taouismo, se reposer, etc. Et là, c'est un produit qui est là. La clientèle, généralement, c'est des retraités. Pas forcément. Pas forcément d'un certain âge, même des gens adultes qui préfèrent avoir la paix, se reposer quelque part. لكن هي مسار زقي طهر ثان تورانث بدات حيود شويه يعني ثم سلسل كينيا نمراح نسعد كرا يشكوا سن الهلاك كينيا الكوفيد هات لونات تنطر مليح يعني ذي ثالث ذي لا بيريود دنيا Le secteur du tourisme il a été pratiquement sinistré par le Covid. Il a été touché de plein fouet parce que le tourisme, c'est le contact direct avec entre les personnes. Et le Covid, c'est-à-dire c'est le contraire. Il faut éviter les gens, il faut pas être en contact avec les gens, etc. Donc, on était pratiquement à l'arrêt, que ce soit l'ONAT, dans les hôtels, dans le moyen de transport aussi, qui était interdit un certain temps de bouger parce que ça causait un risque à la population. Déjà que vous perdez la moitié du chiffre d'affaires aussi. C'est un bus qui est censé être rentabilisé à un certain niveau, donc vous partez à 50%. Et par ailleurs, il faut garder les salaires des gens parce qu'ils étaient eux-mêmes, ils avaient des problèmes, mais ce n'est pas de leur faute s'il n'y a pas d'activité. Et ça a créé quand même un certain déséquilibre au niveau des entreprises, du tourisme d'une façon générale, l'on a comme tout le monde. Le mouchtari souma tarnou, il est limité dans ses mouvements aussi. C'est-à-dire, quand vous voyagez comme ça librement, là, vous devez mettre un masque, du gel, faire attention, éviter, etc. Il y a quand même une forme de stress à gérer. C'est vrai qu'il y avait des gens courageux qui ont voyagé avec nous à cette période, juste après la première vague de nez. Mais ce n'était pas très très agréable. Il y a quand même des contraintes qui étaient ressenties par la population. On a redressé la situation. On avait beaucoup de problèmes un certain temps, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre et on a repris le train a repris sa marche normale. On est sur la bonne voie. On a pu dépasser parce que vous savez que le Covid, qui c'était où ça passe ou ça casse, c'est-à-dire où vous passez ou vous êtes perdu. Alhamdoulilah, au niveau de l'ONAT, on a pu tenir le coup, on a assuré les salaires des gens, on a pu
faire face à toutes nos dépenses. Et on est en train de reprendre. On est en train de reprendre, mais c'est, on est dans la bonne voie. Le معنى سي الجهاني ضمن مسار سقي طاهر يعني كما كان فهمه ذاك تمثال تكنين الكوفيد تغلاد الفايده الى التوريزم لوكال يعني خاطر شي مرني الخارج ولاش دونك يقول هذا حاجه ثمره تو راه ما تزرد كونت اون بلان سو سيت انغ دابون كونت اون با سادريا دو اسبي كيل فو جيري سي لو توريزم ناسيونال. On a fait du marché, on a fait du chiffre d'affaires parce qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient développées. Ça a permis aux Algériens de... Par ailleurs, nous avons certaines activités qui étaient à l'arrêt, comme le transport aérien, comme les voyages religieux, comme les voyages à l'étranger, etc. Tout ça était à l'arrêt. Donc, il fallait qu'avec le chiffre d'affaires du tourisme national, compenser toutes les charges qui sont induites par la gestion de l'entreprise ou des autres secteurs, etc. L'avantage du Covid, il a permis aux Algériens de visiter l'Algérie. Et ça, c'est très important. Il a permis aussi aux agences, que ce soit l'ONAT ou toutes les agences privées qui activent dans le domaine, il leur a permis de faire découvrir des régions de l'Algérie qui n'ont jamais proposé aux gens. Voilà, et ça a permis déjà à l'Algérien de connaître mieux son pays, de le visiter. Et je pense que ce sera, après le Covid, ce réflexe, il va demeurer. Parce que là, c'est un endroit que vous avez visité, que vous connaissez, que vous avez aimé, vous pouvez pas l'éviter après, il faut y aller. La بعدا ما وين نراو نسنتي طوحنا تسمكتين مولانا نسني اكسيتيرا سي سايتي كوم كل حاجه فيها المليح وفيها الدوني دونك لا اون بو دير سي لاسبي بوزيتيف دي كوفيد فوالا تصاوضم يعني غير ساك نقول لا معنى تصاوضم باش كان تصاوضم الغاشيه روحا نحوس نسن انت مرت نسن يا دي ريجون كي نون جامي ايتي بروبوزي با لي اجونس كو جو فوي سور فيسبوك كي اون ايتي بروبوزي كي افي بوكو دو موند des Algériens qui les ont visités et c'était un émerveillement. Quel exemple, des exemples Des exemples, je ne vais pas les citer comme ça, on risque de vexer des gens, qu'on commence à dire que ma région n'était pas connue. Non, il y a des... Là, tout ce qui a été fait, il y a des régions qui n'étaient pas très habituées à recevoir des touristes nationaux et ça a marché, ils ont proposé des produits qui ont bien marché. Là, c'est... ديما مد نهضر في تمثال تنتظريمت يعني باش كان دي لي يعني ثرخص شويه في المشتري خنوي اين يكون يتجان داغن هاث السوما يتخدم يعني ثرخص شويه ايمي 90 البارك نون دايلنون يعني واحد نون كان ودفروا مارا لي بوس نيغ لي ميني بوس نيغ ولا ذا شو 90 كلو بارك كي يتجيري مكا يعني تيون غير مقرانا يعني غير البارك كومبانيين يخدم لك التوريزم البارك نو زافون بارك كي اون نورم En norme des prestations touristiques, nous avons des grands bus de 50 sièges, nous avons des minibus de 35, nous avons des vans de 9 à 14 sièges. Pratiquement, nous avons toutes les gammes de transport possibles pour faire un circuit, quelle que soit la taille du client. C'est-à-dire, si vous avez un groupe de 10 personnes, nous avons les moyens qu'il faut. 650 kif-kif, ça nous permet un peu d'influer sur les coûts. Parce que quand c'est vos propres moyens, des fois, dès qu'il y a une prestation réelle, vous pouvez vous contenter uniquement du prix du carburant. Chose qui ne se fait pas quand vous allez louer ailleurs, etc. Donc ça vous permet de gérer les coûts. Et l'avantage, pour le Sahara, nous avons des structures d'hébergement qui appartiennent à l'entreprise aussi. Donc des fois, on peut se contenter uniquement de comptabiliser la restauration. L'hébergement, on l'offre gratuitement pour permettre aux gens de séjourner, etc. et pour créer le flux. Donc ça, c'est un grand avantage. Et nous avons aussi des conventions avec des tarifs préférentiels, avec beaucoup d'hôtels, qu'ils soient publics ou privés, qui nous accordent des tarifs très intéressants pour faire les forfaits touristiques. Donc tout ça, ça nous permet d'offrir un tarif de... Ou d'agen, M. Rizqi Tahar, l'un de les agences qui n'est en privé, c'est comme nous, en Libye, nous avons des produits de tourisme. C'est comme un médecin, nous avons dans la plateforme. Bien sûr, c'est-à-dire on collabore avec tout le monde, ces agences-là, même quand ils nous sollicitent pour le transport, on les met à leur disposition les moyens de transport de l'ONAT, à des tarifs avantageux. Parfois, ils participent même à la vente. Pour certaines agences, ils votent même le programme touristique de l'ONAT. On leur permet de vendre avec une commission qui est de rétribution. Et ça nous arrive aussi d'acheter chez eux. Donc, il y a quand même des échanges commerciaux qui se font dans le domaine, dans l'intérêt de tout le monde.
دغام أرزقي تهر لا كوبيراسيون يعني سعى زال مقرن المعاونة تسمعون مدغن ولا دغن تكوباني انت مقرنين أم لوانتي أم اش تي تي دغن أوتيلري توريزم تيرماليزم دغن سعيم تخلى المعاونة يوكد وقاتنا يخدمون ديما قحري شكين لوانتي دابر سي سون شارجي دلا بروموسيون انستيتيسيونال دلا بروموسيون دي توريزم ناسيونال دونك نو نو زينارو سعنا sauf qu'ils font beaucoup d'opérations promotionnelles auxquelles participe l'ONAT. Elle participe gracieusement à ces opérations parce qu'il s'agit de l'intérêt national, de l'intérêt du pays. Et il faut promouvoir la destination. Donc, ils font du bon travail. Nous, on est à leur disposition à chaque fois que c'est nécessaire. Il y a, pour, en ce qui concerne HTT, c'est les gestionnaires des hôtels publics de l'État. Donc, ils gèrent à peu près 70 hôtels. Et nous avons des conventions, des relations très cordiales avec eux. Nous avons des conventions pratiquement avec toutes les structures dépendantes d'HTT pour nous permettre d'offrir des tarifs très bas et d'offrir aussi une prestation de bonne qualité. OK. Il y a des gens qui ont été dans le club, qui ont été dans le club, qui ont été dans le match d'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, oui, mais ça fait longtemps quand même. C'était en 2010, on a fait la Coupe du Monde ensemble. C'était avec nos amis et nos collègues du Touring Club. Et ça nous arrive aussi, ça nous arrive plusieurs fois quand c'est l'État qui demande de participer à des opérations communes entre l'ONAT et le Touring Club, qui sont nos collègues, qui sont nos amis, qui activent pratiquement dans le secteur du tourisme au même titre que nous. Pas vraiment, parce qu'ils sont sur les produits religieux, l'ONAT, l'Amra, l'Hajj, ils font du tourisme national, nous faisons du tourisme, on est complémentaires. C'est-à-dire le marché n'est pas partagé, il y a une complémentarité. Sont actifs dans le DAIR, c'est ce qui offre l'avantage de la concurrence et d'offrir les meilleurs programmes, les meilleurs tarifs, parce que tout le monde est en concurrence avec tout le monde quelque part. Les services. Absolument. صمناتني وتفنا راه يعني سند وعدن ليماج دو مارك يعني لونتربريز وفي الهاره يعني وي سا با شي نو سا عارف شي ديز حتى يمن استفعد في ليماج دو مارك ابسوليمون لو مينيموم سي لونيتي لونيتي كوميرسيال ما تنزا دان برودوي فو que le client n'est qu'il sera il a un contrat de il va signer un contrat avec vous c'est une quel hôtel, quelle est la catégorie, sa situation, la prestation qui est fournie, le prix, etc. Et il faut respecter ce que vous avez vendu. Ça, c'est valable dans tous les commerces du monde. Et quand il y a un problème comme ça, il y a la direction du tourisme qui est là, de la région, il faut la saisir, il faut que les clients arrivent à les saisir. Et croyez-moi, les gens seront sanctionnés, et ça ne va pas passer comme ça. Sauf s'il n'y a pas de réclamation officielle, là, ça demande difficile à gérer. وتسويعين هذا وسيع جبرة هذا إني باساتيس في الكليون إذا مرد ديسا ديشتيا بعد بالك هذه الشرطة دينين كي جبات رمبورسي يتسيتي لي وكا بيانسير بيانسير دي فا سي نو كي بروبوزون كون سا عريف شي نو سا بو نو زاريفي نو سي ماشي الغلطة يسرى ان كات فورس ماجور يا يو ان بروبليم إلا راتي سان فول إلا راتي كادو اكسيتيرا نو ان بروبوزون دي دوماجمون على ميابل au lieu d'aller au tribunal ou de se donner une mauvaise publicité, il faut trouver un arrangement à l'amiable avec les clients pour le satisfaire d'abord et le garder aussi pour l'avenir. C'est-à-dire quand une faute est réparée, le client il est content, il se dit que j'ai affaire à des gens responsables qui sont là, qui veillent à mes intérêts. وثورا ثان الدين د ثيليسا يوك تمور ثان تونس وسنة كيا 15 جويه كيا يبدان ثان إلا ومدو حاس تروحون الغاشي باش نحوس ندي هنا وما تشي المعنى ينسى دي سنقص شوية التوريزم دي ثمور ثنا هاث دي قلون مدارة شوية التوريزم أورنا يعني ما ظنيش يعني الجيريان كي ا بروغرامي سي فاكونس يبا با شونجي الا بروغرامي سي فاكونس ما دار دو جور لون دو ما تبدل البروغرام تبدل البروغرام باسكو لو بروغرام ديجا اي لي بونسي ريفليشي اشتي اريتي اكسيتيرا سي اي بي ميم اون تونيزي ميم سي زون اوفر اوجوردي سا دير سا دوموند دو تون بور اريتي دي بروغرام بور اشتي اكسيتيرا ما ظنيتش سا فاتر واسمو بليس
L'Algérie, c'est un beau pays, on n'a pas peur de la concurrence. Nous avons les hôtels qu'il faut, nous avons les prestations, nous avons le bon tarif aussi. Et tout le monde trouvera son compte. Il y a des gens qui veulent passer leurs vacances en Algérie, ou ceux qui veulent partir à l'étranger, ils sont libres de le faire. Ça leur permet de découvrir d'autres pays aussi. C'est pas un danger, je pense que c'est dans la normalité des choses. C'est complémentaire, c'est dans la normalité des choses. C'est-à-dire, vous voyez pas, il ne faut pas se focaliser comme ça. Ce n'est pas toute l'Algérie qui va partir en Tunisie. Il y a beaucoup d'Algériens qui vont passer leurs vacances en Algérie, qui sont très contents de les passer aussi. Ou les Rahel Tunis, Rabbi Sahel, Inch'Allah, il va passer de bonnes vacances. Je suis gros, Le tourisme, c'est-à-dire on a tendance à parler du tourisme pour le secteur uniquement dans le secteur. Le tourisme, c'est une affaire de tout le monde. C'est pas le ministère du tourisme qui est en charge du tourisme. C'est les collectivités, c'est la population, c'est tout le monde, c'est le civisme. Tout ça, ça fait partie du tourisme, d'un fait touristique dans un pays. Donc on peut pas, c'est pas un hôtel qui va par exemple massacrer une prestation touristique. Un hôtel Majbek, sur l'hôtel Wahdakhur, vous allez trouver une prestation qui est meilleure. Donc le tourisme, c'est d'abord, il faut intégrer ça dans les mentalités des gens. Il faudrait que les gens l'activité, etc. Et c'est les collectivités, c'est je sais pas, pour vous dire, le nettoyage des plages, la gestion de l'environnement, tout ça, c'est tout ça qui fait que le tourisme puisse réussir. مس ارزقي طاهر كنت يقول لك بي دي جي لونات تمثال تكني وسنقص السوام يعني اون لي بي وسنقص السوام لي زوتيل يعني السلوين تي دودان يشوتر يومر يفقد لامر باش كتشجع التوريزم الا قد لي وسنقص سكيا ولك كوزي لنا في مثال تكا هذا ربح نوك العاشيه باش تحط لي بري كي يا البريزيدون دا ريبوبليك يا دوني انستريكسيون دون سي سونس او كومباني ايريان ماريتين دو بيسي لي بري دايور سي با لا بريمير فاكي دون سيت انستريكسيون لي ريسبكتي. Donc, à titre d'exemple, là, c'est quand on prend la destination comme Paris qui est très demandée en Algérie, le billet était à 120 000 dinars il n'y a même pas une année. Voilà. Et récemment, il était à 65 000 dinars et maintenant, avec les instructions de M. le Président, ça va encore baisser. Donc, on va vers le meilleur. C'est vrai qu'il y avait une crise qu'il fallait gérer, les gens n'ont pas voyagé, etc. Et ça s'est tenu graduellement, on va reprendre l'activité de... Et local, Djaïr Tamarasset, local, Djaïr Tamarasset, depuis tout le temps, il y a des efforts qui sont consentis par la compagnie nationale et par Tassili Airlines aussi. Il y a les autorités suprêmes du pays qui ont donné des instructions dans ce sens. D'ailleurs, pour visiter le sud, pour un groupe de 10 personnes, vous avez une réduction de 50%. Le billet, il descend de 30 000 dinars à 15 000 dinars. C'est أيوة ثمر يعطيك الصحة مس أرزقي طاهر ثمرت يعطيكم الصحة ثمر إن شاء الله أدنى سمكتي مس أرزقي طاهر البي دي جي لونات الذين كانت صبحيث السكية نجاكم دي لهنا التلويتار توفات